on n'a pas le temps avec nous, donc on peut, j'en dis, avant vous dire qu'on fait tout, même avant. J'ai l'impression que c'est un rassemblement. Sauf que... Vous n'avez juste trouvé vendredi que... J'ai rien vu passer sur les réseaux. Mais on avait dit... En fait, c'est comme c'est tous les vendredis, là... Non mais même si c'est tous les vendredis, il faut refaire passer. Ensuite, on ira déambuler dans le marché. Voilà. Alors nous entrons dans la décennie décisive pour l'humanité. Comment contenir le réchauffement climatique en divisant par 5 les émissions de gaz à effet de serre dues à nos activités d'ici 2030. Si nous faisons moins bien, nous franchirons des points de bascule irréversibles. Nous voulons une écologie sociale et populaire en rupture avec l'actuel modèle économique qui fonctionne selon la stricte logique du moindre prix pour maximiser les profits. Ce système conduit à tous les abus et à tous les saccages. Le grand déménagement du monde, la déforestation, la plastification des océans, les pressions à la baisse sur les salaires, les destructions des services publics. Il nous faut sortir de ce modèle mortifère par l'instauration de la règle verte qu'il faudra inscrire dans la Constitution, ne pas prendre à la nature davantage qu'elle est capable de reconstituer, par la planification pour fixer les grands objectifs d'intérêt général et établir un calendrier de réalisation, sortir du nucléaire et du carboné avec 100% d'énergie renouvelable, rénover le logement, sortir des pesticides et retrouver l'autonomie alimentaire. La bifurcation écologique sera une nouvelle marche vers le progrès humain. Sa réussite dépend en grande partie de notre capacité à dépasser les égoïsmes sociaux et la culture du chacun pour soi. Bâtir la société de l'harmonie entre les êtres humains et avec la nature, tels sont les jours heureux auxquels nous aspirons. Et des ultra-riches ont explosé pendant cette crise, contribuant à développer un système productif destructeur pour les peuples et la planète.